dans la mission qui est la mienne en tant que président de l'établissement public, il y a la reconstruction proprement dit et l'accent que l'on doit mettre sur ces métiers d'art de manière, dans tout notre pays, de susciter des vocations. C'est grâce à tous ces savoir-faire que nous conservons pieusement en France et tous ces gens que nous formons à ces métiers que nous allons réussir à restaurer et rendre encore plus belle qu'elle ne l'était cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Sans métier d'art, il ne pourrait pas y avoir restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce que nous voulons le plus, c'est de changer le regard. Il faut pour ça ouvrir les portes des ateliers et surtout il faut rencontrer les hommes et les femmes qui ont choisi ces métiers-là pour comprendre vraiment la beauté de cet engagement et mesurer qu'on peut choisir de faire sa vie dans les métiers d'art. Pour les Journées européennes des métiers d'art, pendant une semaine, des collégiens, des lycéens ont pu découvrir et rencontrer ces artisans d'art à la Cité de l'architecture et du patrimoine. On a organisé des ateliers pédagogiques, des rencontres qui ont permis à des jeunes de découvrir ces métiers. Ces ateliers pédagogiques se déroulent de manière relativement simple. On accueille les groupes scolaires sur réservation pour rencontrer chacune un métier, et ce en partenariat avec l'établissement public qui est un partenaire depuis longtemps. Ces ateliers sont assez différents les uns des autres. Il y a des ateliers qui sont des ateliers participatifs où on invite les élèves à découvrir les techniques et les savoir-faire de ces artisans d'art qui travaillent sur le chantier. Et puis il y a d'autres ateliers où c'est plutôt des démonstrations, cette fois-ci du métier et de son savoir-faire. Et ces métiers, ce sont les métiers de maçon-tailleur de pierre, de restaurateur de peinture, des restaurateurs de sculpture et puis des maîtres verriers et des facteurs d'orgue. Cela permet à nos élèves de rencontrer des professionnels et de se rendre compte de la réalité de leur métier. Et pour eux qui travaillent sur leur orientation, c'est aussi une prise de conscience avec le réel. Ils nous ont expliqué leur métier, comment un orgue ça fonctionnait. C'était très intéressant. On a vu aussi des maquettes de la cathédrale. Franchement, ça donne vraiment envie d'aller la voir après. On adore faire connaître notre métier, parler de ce qui nous passionne. Et l'écoute des enfants est quand même extrêmement intéressante. Et ensuite, il y a un jeu de questions, réponses, etc. On essaye de les inciter à mieux connaître les métiers du patrimoine. Ce qui m'a plu le plus dans cette médiation, c'est vraiment le rapport direct, leur montrer la matière, les outils qu'on utilise et même leur donner l'occasion aussi de toucher les matières. En parallèle, on anime pour le week-end un village des métiers d'art qui se tiendra au Collège des Bernardins et qui cette fois-ci est ouvert au grand public. Ce seront des ateliers participatifs, des démonstrations et surtout des rencontres avec les artisans d'art qui travaillent tous les jours sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Eh bien, c'est avec une grande joie que nous accueillons ce village des métiers d'art, prévu de longue date. Et c'est vraiment un moment exquis pour découvrir toutes les facettes des métiers d'art qui sont à l'œuvre sur le chantier de Notre-Dame. Je souhaite faire découvrir ma passion pour la taille de pierre, leur transmettre des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Ils sont curieux de savoir est-ce que ça existe encore un tailleur de pierre. Nous avons présenté quelques images des travaux qui se déroulent en cours et puis un petit peu de notre matériel pour que ce soit un petit peu plus parlant, plus vivant et pour mieux expliquer les étapes et comment le restaurateur travaille. Le restaurateur est plutôt un intervenant de l'ombre et c'est intéressant de pouvoir échanger avec eux sur nos techniques, sur ce qu'on fait, sur nos formations. C'est une chance de pouvoir partager notre passion aussi. Nos prétentions, c'est de faire découvrir notre métier, nos savoir-faire, surtout de partager manuellement nos techniques et découvrir notre façon de travailler, tout simplement. La concentration de tous ces métiers permet un peu de temps de se faire une idée sur des métiers d'art qu'on ne connaît pas. On repart pas bredouille. Moi, je suis content, c'était bien et j'ai appris pas mal de choses. Les réponses ont été très satisfaisantes. Ça m'a donné l'histoire de l'origine des colorants. Monsieur, il a montré les pierres, comment on les casse, les instruments pour casser les pierres. Ça m'a donné envie de faire ce métier. Ils ont découvert des métiers qu'ils ne connaissaient pas, des techniques, des savoir-faire méconnus. Et donc c'est vraiment, je crois, l'intérêt de ces journées, de ce village des métiers d'art, c'est de montrer le caractère assez incroyable et spectaculaire de ces métiers d'art qui allient des savoir-faire ancestraux avec des technologies modernes.